He mana, te imhana e mahana ta aero te e noo i te mea e, wā tae mai te, te mowhe anō te hau no te hamana rai te upute, te rira moho? Te rira moho, tēne kau me whahepohi me matau a te mowhea, i fupa e no te whaura rakatata, i fupa te puti iepa i moho. No te rira e matau, ubije matau e whatura pa i te mowhea, talatu pa i para ture tu menhoi a matau. No te rea e matou hatomo e puti te mana. Te mea papu he mana tirito e parau no te hamani rat o puti te mana, puti taia? Aita, aita haro atu. Iau e kaum e tata taia wo, e tata taia wo. Me o upuara o kaum taumrat maria e te hipa. E o trape i tau e upua e horo anu ratou no ananei, na latou pa e whaitu i tome. Paso e te me fifiro tau no te hipa na te mo mana e te hipa ta ratou. E imira e matou mo whea matou pa e mbra... Ai, brona. Para mi tu, no holo me pe me me te roto to rato rima na rato pe o tine amu ma. Seria. Te ura i te te mene, boti, wa mana ne ne pro. Ta mo no tu ta mani puti e ta ya te te mo te me. Te ria ho, te ta u fo kan te ne boti ta u puti na te ne nan brat muri te ne fai tu to me muri me ya. Boti pe ta ma to puara, ama ru to la boti atu la me me te ru to bo ya ma to. E Nan tolo ni hamaru ru ahi ti FM. Hala me metai ramu be aru ini, me metai arfa tu tu tawana, me metai. Hala ramu hi ti FM, me metai. Kom traho tamato radio purut mana faru none ni, ha? Hala me metai. Wo tai ramu utu rotu puja matu teiman. J'avais un bâton en bois à l'époque et je voulais un bâton en plastique. Et chose aujourd'hui chose faite. Maintenant après comme mon fils n'a pas de travail alors moi j'ai fait ce projet là pour lui. Après, c'est lui qui prend la relève. Moi, je retournerai à la pêche. Et c'est là mon gagne-pain, quoi. Donc, avant l'utilisation, on est obligé d'homologuer ce bateau. Et donc, les personnes du territoire sont venues pour justement homologuer. Oui, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, c'est la réglementation qui l'oblige. Alors, on est obligé de se plier à la réglementation pour pouvoir avoir l'homologation du modèle qu'on a mis en chantier. Donc, on se lance maintenant dans l'entreprise constructeur de bateaux. Non, pas moi. Moi, comme je disais, moi, je retourne à la mer. Moi, je suis plutôt un homme de la mer. Je vais retourner là où ma place elle est. Et après, c'est les enfants qui vont reprendre la suite. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de poissons. C'est pour ça que la flambée des prix est aujourd'hui... Mais c'est comme ça, on n'y peut rien, en espérant que ça va revenir, parce que notre population, en ce moment, elle ne peut pas se payer du temps. Aujourd'hui, le temps, c'est plutôt pour les riches, hein, parce que ça, le coût en ce moment, c'est incroyable. Et comment ça se fait? Ben, je pense que c'est peut-être aussi le climat qui est en train de changer. La période, elle était en avance, et après, aujourd'hui, il n'y en a plus de poissons. Nos thoniers reviennent aussi avec pas beaucoup, beaucoup de poissons. Mais maintenant, on est obligé de faire avec. Peut-être aussi, c'est la surpêche des bateaux qui pêchent à côté, les étrangers qui pêchent à côté, c'est peut-être là aussi vient le problème, quoi. Alors jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu un moyen pour les arrêter, pour ces bateaux-là qui viennent dans nos zones de pêche? Aujourd'hui, on n'a pas les moyens aujourd'hui pour pouvoir tous les bloquer. On a un seul avion, on a le gardien, mais on n'arrive pas aussi à passer notre zone, elle est vaste. Alors s'il faudrait mettre les moyens, je pense que c'est le pays à... Mais en ce moment, je ne pense pas que le pays est là. Hein. Il y a beaucoup d'autres soucis. On essaie de faire venir les investisseurs, mais aujourd'hui, c'est peut-être que ça la problématique. Moi, je suis là pour garder Tata Toine, parce qu'après, pour la suite, il n'y aura plus rien. Après. Alors, les Chinois ne sont pas encore arrivés, mais quand ils vont arriver à Ho, je pense que pour nous, ça va être difficile. Après. C'est bien de faire venir les investisseurs, mais après, s'il n'y aura plus rien, qu'est-ce qu'on va... Merci beaucoup, Hemana. Un dernier mot. Oui, merci à vous, Hiti FM, d'être venu à Roux. Comme tu vois, il fait beau aujourd'hui, c'est pas mal. Et je remercie encore le maire de Punavia, notre Tawana Roni. Merci de nous avoir amené Hiti FM. Merci beaucoup. Que du bien.